Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente l'entrée de gamme de chez BM. Mais pas juste le modèle entrée de gamme, hein, c'est vraiment la version la moins chère du catalogue. Avec, il y a trois options sur celle-ci. La BMW Série 1, qui est la plus petite voiture de chez BMW, mais celle-ci avec le plus petit moteur, le 116i. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça vous a plu sur les autres modèles, même des fois des françaises ou autres, de faire le modèle entrée de gamme. Je dis, bah pourquoi pas faire l'entrée de gamme également dans le premium plutôt que de faire forcément toujours les modèles les plus optionnés. Cette version, c'est la 116i. Elle existe dans plein de déclinaisons jusqu'à un modèle M135i X-Drive, très sportif, qui fait lui plus 300 chevaux. Là aujourd'hui, 109 chevaux seulement, mais qui est largement suffisant pour le commun des mortels ou une utilisation au quotidien. On revient sur les différentes motorisations qui équipent la série 1. Ensuite, je vous refais un petit tour de la voiture. On va se faire un essai complet comme d'habitude, voir en même temps les consos, puisque je pense que ça c'est intéressant de voir les consos sur un modèle entrée de gamme, puisque je pense que si on choisit l'entrée de gamme, c'est alors soit parce qu'on aime bien le look et qu'on n'a pas forcément les moyens de se prendre le haut de gamme, mais ça peut être également se dire, bah voilà, j'aime bien le look et la philosophie BMW avec un petit moteur, mais je veux faire quand même attention à mes consos. Donc, on va se faire un petit débrief là-dessus également. La série 1, donc, à partir de 32 550 euros. Celle-ci, elle est aux environs de 34 000, puisqu'elle a quand même des jantes M dessus et un petit pack qui était vendu spécifiquement sur cette entrée de gamme pour ne pas faire en sorte qu'on ait des enjoliveurs non plus. Elle existe en essence ou diesel. En essence, on a le 116i, 109 chevaux, comme aujourd'hui, le 118i qui fait lui 136 chevaux, le 120i qui faisait alentour des 170 chevaux, le 128ti qu'on avait déjà fait sur la chaîne, une voiture qui m'avait beaucoup plu, 128ti qui fait 265 chevaux. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est l'équivalent d'une Mégane RS. Ouais, et c'était en traction également. Et c'était une petite voiture qui passait partout, qui ressemble à ça avec quelques petites touches de rouge, mais qui faisait quand même 265 chevaux. Et ensuite, au sommet de tout ça, on a la M135i, qui est la version la plus puissante, avec 306 chevaux, qui, elle, vaut aux alentours des 60 000 euros, quasiment le double, en fait, on peut en avoir deux comme ça pour une M135i. Ensuite, on a les versions diesel, 116D, 118D et 120D X-Drive. La version 120D X-Drive peut être un avantage pour les gens à la montagne, ça permet d'avoir du couple et en même temps les quatre roues motrices. Sinon, les autres sont toutes des tractions, sauf la M135i X-Drive également. Au niveau des boîtes de vitesse, seulement sur celle-ci en entrée de gamme, on pourra avoir la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Ça se fait de plus en plus rare, les manuels. J'en fais de moins en moins. Et c'est vrai que l'automatique est devenue quand même plutôt accessible. Et surtout, c'est beaucoup mieux qu'avant. Aujourd'hui, boîte manuelle, 6 rapports. Sinon, on a, selon les versions, soit du 7 vitesses, soit du 8 vitesses en automatique. Alors, au niveau des dimensions, cette voiture, elle fait 4,32 m de long, 1,80 m de large sans les rétroviseurs et 1,43 m de haut. Et on voit qu'on a quand même déjà une antenne requin là-haut et pas une grosse antenne, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'on reste quand même sur une voiture premium, c'est une entrée de gamme, mais qui soit premium, on verra même à l'intérieur pendant la conduite. J'ai pas mal roulé avec et j'avoue que j'aime beaucoup. Au niveau du poids, entre 1400 et 1600 kg selon les versions, 1400 pour les petites essences, 1600 pour les versions 4 roues motrices et diesel. Au niveau de l'essence, on pourra mettre 50 litres d'essence, essence ou diesel dans le réservoir. Au niveau des finitions, on aura pas mal de finitions sur cette série 1. On aura la première qui s'appelle série 1, simple. Ensuite, il y aura la business pour les professionnels. Ensuite, on aura l'édition sport. Ensuite, la version M Sport, puis la M Sport Pro. Donc là, on augmente petit à petit selon les finitions. À chaque fois, c'est des packs qui rajoutent des éléments par rapport à la version d'en dessous. Au niveau des jantes, on aura des jantes qui vont du 16 pouces au 18 pouces. Aujourd'hui, on a du 17, je vous remontre ça sur le côté. Au niveau des couleurs, on aura le choix de 12 couleurs de teintes. Et au niveau des intérieurs, on aura le choix 12 couleurs, tout comme les jantes, 12 paires de jantes. On peut même avoir le Digital Key avec son téléphone pour ne plus avoir les clés. Aujourd'hui, on a encore la clé où il faut appuyer, on n'a même pas le keyless encore, mais on a quand même le démarrage sans clé. Les options qu'on a aujourd'hui, c'est les jantes qui valent environ 1000 euros en 17 pouces en M, les rétros rabattables, ça c'est une petite option à 250 euros environ, le parc assist qui est aux environs 200 euros et une suspension direct drive qui améliore un petit peu le comportement dynamique de cette voiture. Sur l'avant, on a quand même les phares qui sont en LED avec la signature ici, donc ce qui était les Angelis à l'époque, mais qui font maintenant plus tout le tour, qui sont des formes de C, avec le clignotant qui se met sur le dessus, pas de défilement. BMW LED quand même, ils sont pas matriciels ceux-là, mais on peut les avoir en option sur la version plus haut de gamme. Un capot assez simple avec deux lignes bien tendues, logo BMW en plein centre avec la grosse calandre ici en chrome,
la calandre qui s'est toujours élargie sur les nouvelles voitures, petit à petit, deviennent de plus en plus grosses, comme vous avez pu le voir sur certaines BMW. Sur le côté, les rideaux d'air, donc pour le côté aérodynamique et la consommation, et un pare-choc un petit peu typé sportif, puisqu'on a quand même le petit badge M mis sur le côté. On a quelques aides à la conduite, on a le maintien dans les voies, donc qui est maintenant obligatoire pour avoir des bonnes notes au Euro NCAP. On n'a pas le centrage de voie, mais on a juste un régulateur simple de base. On peut voir ici, on a quand même l'aide de détection de collision, freinage d'urgence, qui maintenant est obligatoire pour avoir de bonnes notes au Euro NCAP, comme je le disais. Mais on peut avoir en option, ensuite, si on souhaite, la conduite de niveau 2, où on peut lâcher les mains et les pieds avec le régulateur adaptatif et le centrage de voie. Mais aujourd'hui, version entrée, juste un régulateur, mais qui est quand même de base le régulateur. Sous ce capot, ici, on peut voir donc ce 116i. Et comme je vous le disais, on a vraiment le choix. On peut aller de 109 chevaux jusqu'à 306 chevaux. Sur le côté de cette série 1, on peut voir ici les petits radars de parking intégrés pour avoir les bords. Des jantes en 17 pouces M. L'avantage du 16 et 17 pouces, c'est qu'on a des flancs de pneus encore assez épais qui amènent un poil de confort supplémentaire à cette voiture. Le petit badge M ici, les rétro rabattables en biton, noir et blanc. Et comme on peut le voir, on n'a pas du tout de chrome sur le côté de cette voiture, simple avec des entourages en noir. Un petit bas de caisse un petit peu sportif, plutôt sympa, des poignées type frigo. Selon l'option sous elle qui laisse, on pourra fermer directement, mais là, on ne l'a pas aujourd'hui. Et de ce côté, l'essence, on mettra 50 litres. Et sur l'arrière, quelque chose d'assez simple avec un petit béquet qui vient se fondre juste ici. On peut le voir comme c'est une entrée de gamme, on n'a même pas les vitres à l'arrière surteintées. Et j'avoue que moi, ça ne me dérange pas forcément. Sur l'arrière, ce béquet ici, qui ne ressort pas beaucoup de la fenêtre, mais qui est quand même assez long sur la partie haute, qui intègre le troisième feu stop, l'antenne qui retient là-haut, l'essuie-glace bien pratique, logo BM ici, caméra sur le côté en dessous, des feux à l'arrière en LED également, avec le clignotement en LED, on a du full LED. Tout est peint sur l'arrière. C'est plutôt bien, il n'y a pas de plastique apparent. Pareil, le diffuseur arrière ici en noir et l'échappement qui ressort. Ça, c'est quand même beaucoup plus joli, les échappements qui ressortent plutôt que ceux qui sont cachés, je trouve. Dans le coffre, on a un coffre manuel. On retrouve 380 litres de chargement juste ici. Alors, j'ai mis un pantalon un petit peu serré aujourd'hui. Hop. Mais 380 litres... Pour ceux qui se rappellent, hein, des volumes à peu près à chaque fois, ça rentre sans problème. Donc ici, j'ai de l'espace, mais j'ai un double plancher. Et lorsque je soulève, j'ai encore un grand espace de chargement juste en dessous, au cas où on va mettre les produits d'entretien, etc. Ou des choses différentes. C'est plutôt pratique. Une plage ici en rigide. Et la banquette se rabat en 2/3, 1/3. Alors, à l'arrière de cette voiture, voyons voir ce que ça donne. Alors, hop. Je baisse un petit peu. J'entre à l'intérieur et je relève mon petit appui-tête. Je viens fermer la porte. La portière qui est quand même moussée sur la partie haute, ce qui est très bien, que beaucoup de voitures ne font plus. Des accoudoirs moussés également. Du tissu sur le côté. Mon enceinte directement ici et des vide-poches sur le bas séparés pour mettre une bouteille en bas et autre chose à côté. Au niveau des genoux, donc le siège à l'avant est réglé. Et pour moi, je fais 1m80. Vous pouvez le voir, il me reste encore de l'espace pour les genoux. J'ai au moins 10 cm devant moi. J'ai de la place pour les pieds. Bah, franchement, je suis bien au niveau de la tête. Il faut vraiment que je me mette droit, droit comme un piquet pour venir toucher là-haut. Mais sinon, de façon relaxe, ça va, je ne suis pas trop mal. La banquette est quand même plutôt ferme, très à plat. Donc, ça ne remonte pas et elle est vraiment à plat. Elle n'est pas inclinée vers l'arrière. Donc, ce qui fait que on a l'impression plus d'être assis sur une chaise. Le dossier est assez droit. On a un tout petit creux. Ça ne permet pas d'avoir énormément de maintien, mais un minimum. Ouais, je suis vraiment pas mal. Hein. Pas d'accoudoir central au milieu, mais on a la troisième ceinture juste ici. On a la boucle à cet endroit-là. Les fixations Top Taser et Isofix sur les deux sièges d'extrémité. On a un tunnel central puisqu'elle existe en version 4 roues motrices, donc on a besoin du tunnel de transmission. Deux ports USB-C ici et un endroit pour poser ses téléphones ou autres. Pas de climatisation à l'arrière, ce sera seulement pour la partie avant. On a des poignées pour tout le monde et des LED ici sur le haut qui s'allument. Pour enjamber, hop, de cette façon, je viens m'asseoir au milieu. Donc la ceinture ici elle est sur une boucle, mais si ça va, j'arrive à bien la tourner et à la bouger, ça permet qu'elle ne me rentre pas dans le popotin.
ici, donc je dois bien écarter les pieds. Si je me colle au tunnel central, j'ai les rails qui viennent toucher mes pieds parce que moi je suis du 44-45. Au niveau de la tête, si je me mets droit, pareil, je touche, mais si je me mets de façon un peu plus relaxe, ça va. Je suis plutôt bien installé. C'est plus ferme ici au dossier comme à l'assise, mais déjà les sièges sur le côté sont assez fermes. Et là, on a plus l'impression que ce soit une selle de moto super motard qui est assez fine où on bouge un petit peu des deux côtés. Au niveau des genoux, j'ai de la place. Et puis voilà, la simplicité à l'arrière. Tout en tissu, pas de cuir du tout dans cette voiture. Et on retrouve des parties plastiques derrière les sièges avec des filets. Très simple, ça c'est bien les plastiques ici, parce que si les enfants viennent taper leurs pieds, c'est plus facile à nettoyer. Allez, allons découvrir l'intérieur. Donc, hop, portière. Donc comme à l'arrière, où c'est moussé sur toute la partie haute, c'est moussé également sur cette partie ici. C'est plutôt agréable. Du tissu. L'enceinte ici, le verrouillage du véhicule et ma poignée. Ici, réglage des rétroviseurs et des fenêtres avec le verrouillage pour l'arrière. En bas, des bacs en plastique, pareil, séparés en deux. Ici, on pourra mettre une grande bouteille directement. On a le petit badge M ici sur cette version. Des sièges qui sont entièrement manuels. On n'a pas besoin forcément de sièges électriques. Moi, j'avoue que le manuel, ça ne me gêne pas du tout. Et en bas, ce qui se fait de plus en plus rare, trois pédales. Puisqu'on a une version manuelle. Allez, je m'installe à l'intérieur. Je vais me reculer pour vous donner la meilleure visibilité. Et voilà à quoi ça ressemble. Je ferme la porte. Je vais la démarrer pour la démarrer. Donc, pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Et j'appuie sur le petit bouton. Juste ici. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'Apple CarPlay ici qui s'est lancé. J'ai le CarPlay sans fil d'origine. Une fois qu'il est connecté, voilà. C'est très fluide, ça marche bien. J'ai le téléphone qui est dans la poche. Le volant. Donc, volant bien rond. Ça fait plaisir d'avoir un vrai volant bien rond. Ça se fait de moins en moins. Sur la gauche, les aides à la conduite. Régulateur ici ou limiteur que je choisis. Régulateur ou limiteur. Ensuite, plus vite, moins vite. Sur la droite, commande vocale. Faire défiler les radios ou les menus là-bas. Et ensuite, changer de menu également juste ici. Ensuite, le volume à cet endroit-là. Derrière, on a les essuie-glaces avec un mode auto, l'essuie-glace arrière sur l'extrémité. Et de ce côté-là, on peut changer les infos du menu ici. Baisser, c'est pour changer les données que je vais avoir sur la droite, là-bas. Donc, ils sont en train de changer. L'accélérateur de G, la radio que j'écoute, si je suis en mode confort ou autre, les consommations en instantané et le total depuis le départ. Ensuite, je vais avoir le mode plein phare automatique juste ici, les appels de phare comme ça et les clignotants sur le côté. Ensuite, pour tout ce qui va être optique et phare, c'est là, j'ai le mode auto, que vous pouvez laisser en mode auto tout le temps. Sinon, il y a les feux ici anti-brouillard sur l'avant et sur l'arrière. Et on peut régler et la luminosité de l'instrumentation de bord sur la petite molette à droite. Un aérateur de ce côté-là, deux aérateurs au centre, un sur l'extrémité. Là-haut, également, tout est moussé. C'est franchement joli. On peut avoir en option un affichage tête haute qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà la simplicité juste ici. L'écran ici, écran tactile, donc comme je vous disais, on peut revenir au menu. Pour retourner à la voiture, les infos de la voiture, c'est le logo BMW ici qui me ramène au menu de la voiture. Et ça, c'est encore les anciens, puisque maintenant chez BMW, on a le Curve Display qui est arrivé, qu'on n'a pas aujourd'hui sur cette version, qui arrivera sur les prochaines séries 1. Les réglages de la voiture et autres, on a tout. Et la petite touche Home juste en haut avec des raccourcis comme ça sur le haut. Et par exemple, la radio et nos quelques widgets ici. Les warnings en plein centre, les aides à la conduite de la voiture ici en raccourci, sécurité intelligente, etc. qu'on peut activer ou désactiver en appuyant. Quand c'est vert, c'est que c'est activé. Le bloc climatisation en dessous, donc on a notre petit écran ici. Donc là, par exemple, j'ai réglé sur 20 degrés. On a la clim, une seule zone, donc une climatisation générale. Des embuages arrière, avant, auto, les vitesses de ventilation plus ou moins vite. Et où est-ce que je vais me faire ventiler ensuite? Recyclage d'air, climatisation, climatisation au max. Ensuite, ça, c'est ce qu'on a retrouvé avant chez BM, qui petit à petit disparaît, avec les touches favoris ici, de 1 à 8, changer les radios, le volume et les modes Bluetooth, radio DAB, radio FM, etc. Ensuite, plus bas, on a le câble pour connecter son téléphone si l'on souhaite, en câble USB type A. On a la clé ressemble à ça. Hop, déverrouillage, verrouillage, ouverture du coffre, et ça, je ne sais jamais à quoi ça sert. Là, un double porte-gobelet, la prise 12 volts juste ici et la boîte de vitesse manuelle.
boîte de vitesse manuelle, hop, on voit les rapports, s'engage bien, c'est ferme, hop, boîte 6 pour reculer, juste on bascule à fond, donc on a première là, et pour aller en reculer, juste plus fort et reculer, ce qui m'active les caméras de recul, on peut le voir, et on a le mode auto-reverse également, comme on a chez BMW sur les voitures. Désactiver les radars de parking ici, donc les bip bip, désactiver le start and stop, démarrer la voiture, les trois modes Eco Pro, confort ou sport, ce qui me change un petit peu l'écran. Donc là par exemple je suis en mode sport, le mode confort, le mode Eco Pro, on a quelques couleurs qui changent, bleu, orange ou rouge. Ça, ça va modifier la cartographie de la voiture. Le frein à main, donc le frein du bout du doigt maintenant, de stationnement, désactiver l'ESP ici et toujours cette commande ici que l'on connaît chez BMW, donc qui bouge dans tous les sens, la petite roulette et les raccourcis, média, home, map, navigation, communication et retour en arrière et les options si j'ai besoin de cette façon pour régler mon écran là-bas. Et voilà, on peut le voir que c'est très rapide. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien encore avoir ce pad. Ici, un accoudoir central qui ne bouge pas et un rangement en dessous avec une prise USB-C ici, mais qui est juste en chargeur rapide. C'est tout. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord plus général. De ce côté-là, on retrouve la boîte à gants. Petite boîte à gants, je ne pense pas qu'une grande bouteille rentrera ici et elle n'est pas climatisée. Sur le haut, rétroviseur ici, manuel. Voilà, version entrée de gamme, mais avec les bords fins. Et là-haut, l'éclairage avec la touche SOS de ce côté-là. Au niveau des pare-soleil très simple, on n'a pas d'éclairage, un tout petit miroir ici. Et là-haut, mon micro pour quand je parle en Bluetooth. Et de ce côté-là également. Voilà, à peu près tout pour cette voiture. Reste plus qu'à aller l'essayer. C'est parti. Allez, c'est parti avec cette série 1. Démarrage. On a quand même le keyless. Hop. Première boîte manuelle. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça de boîte manuelle. Allez, on démarre. Ça enlève automatiquement le frein à main. Ah, petit bonheur de la boîte manuelle. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait ça. Bon, série 1. On est quand même dans une voiture BMW. Ça se veut un minimum premium. On a quand même le double écran ici. On n'a pas le curve display qui est maintenant sur les nouvelles voitures. Ça arrivera peut-être hein, sur les prochaines séries 1. Parce que le but, c'est que ça évolue sur toute la gamme. Petit moteur, 109 chevaux. Chez BM, on sait que ça peut monter jusqu'à... C'est quoi le maximum chez BM? Plus de 600 chevaux, je crois que... Je ne sais pas si c'est le XM actuellement le plus puissant ou si c'est le iX ou les i4 M60. Je crois que ça monte à plus de 600, 680 chevaux, je crois. Ce qui est assez incroyable. On peut avoir, bien sûr, bien entendu, le start and stop. Et même à l'arrêt, on a une voiture qui est assez conforme. Donc l'avantage chez BM, c'est que ça existe à la fois en essence et à la fois en diesel. Il est plutôt confortable. La boîte, c'est bien placé. Elle verrouille bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a clac, clac. On le sent vraiment quand on passe. C'est pas bizarre ou ça fait pas trop cheap. On sent vraiment qu'on met bien le rapport et en même temps c'est fluide. Alors c'est pas sportif du tout comme boîte, mais on sent que voilà. Là par exemple, le start and stop n'est pas activé, mais c'est d'un calme dans l'habitacle. J'entends quasiment pas le moteur. Ça fait plaisir. J'aime bien que ce soit calme. Après, normalement, on a le start and stop. C'est juste parce que là, elle n'a pas roulé, climatisation, etc. Enfin, il pleut. Mais dès qu'elle va rouler un petit peu, elle va se refaire. Et ben, c'est pas mal. Hein. Avec le plein, ça m'indique 700 km actuellement. On démarre tranquille. L'embrayage est un petit peu dur, par contre. Quand on le relâche, il est après... pas dire souple si je viens de vous dire dur, enfin il est pas dur mais il y a un ressort qui est quand même assez fort, mais il est souple, voilà, on va dire le ressort remonte bien. Il y a certaines voitures où c'est beaucoup plus mou, on va enfoncer facilement. Là j'aime bien, il y a quand même une petite sensation sur le retour. Certaines voitures c'est peut-être des fois trop assisté l'embrayage. Donc même bah, dans les tours
Le but avec ce genre de voiture, justement, si on s'est pris un petit moteur, c'est de pas de consommer beaucoup. Donc, c'est de rouler à la cool. Sinon, il existe jusqu'à la 135i qui là sera bien plus importante. Par contre, le petit inconvénient de ces petits moteurs, c'est comme c'est des petits moteurs, des petites cylindrées, eh bien on va pas avoir énormément de freins moteurs. C'est-à-dire que si je relâche, par exemple, donc là j'accélère un petit peu, quand je relâche, le moteur va pas vraiment ralentir l'auto, même si je repasse en deux, bon, un petit peu plus quand même, mais on sent qu'il n'y a pas un vrai. Ça, c'est le désavantage de ces petits moteurs, c'est le frein moteur. Par contre, les avantages, c'est les consommations qui sont en baisse et on devrait avoir normalement des bonnes stats de conso. D'ailleurs, je vais remettre à zéro, ce qui me permettra. Ah non, ça c'est la radio, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai plus l'habitude. Hop. On va se le faire par ici. Voilà. Comme ça, et depuis le départ. On va retourner à zéro comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, pour la ville, comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez agréable. La direction assistée est bien assistée. C'est plutôt mou, c'est léger. On garde quand même une direction qui est de chez BM avec un châssis qui se veut plutôt dynamique comme ça, hein, avec déjà juste en ville à 50 km/h. Mais à la fois, c'est très confort. Ensuite, on peut avoir le mode sport ici qui va me changer la voiture. La direction devient plus lourde. On a plus de répondants au niveau de la pédale d'accélérateur. Le but tout de suite, c'est pas forcément d'aller chercher les performances, c'est juste de rouler à la cool. Puisqu'au final, on n'est pas sur une version à caractère sportif, même si on garde quand même le châssis de chez BM. Et je vais pouvoir me remettre en EcoPro. Moi, j'aime bien le EcoPro qui me permet vraiment lui de rouler cool. Et je sens tout de suite l'accélérateur n'a plus rien à voir. Je peux appuyer à moitié de la pédale, ça va donner comme si j'appuyais qu'à 10%. Et justement, c'est ça qui va nous faire baisser les consos. Moi, j'aime bien rouler cool. Je suis pas forcément pressé. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis pas pressé du tout. Et j'ai pas d'intérêt en fait à rouler vite. J'ai quand même le régulateur, le limiteur, pas de régulateur adaptatif ou autre puisque ça c'est des packs supplémentaires, mais on est quand même sur une voiture entrée de gamme. Je me passe la 6. Alors effectivement, bas dans les tours, si je remets la 6, pour les relances, ça va être bien de tomber un rapport. Donc là je suis à 90 km/h, tout est bien fermé. À 90. Pas d'éclairage intérieur, très simple. On entend un petit peu ce qui se passe dehors. J'ai très légèrement du bruit du vent. Mais ça reste pas mal, franchement, c'est plutôt bien insonorisé pour une voiture entrée de gamme. C'est vraiment pas mal, même là à côté d'un camion dans une montée. Non, ça se débrouille bien. Allez, je vais aller mettre à 110. Donc 110, je vais me mettre 7. Régulateur de vitesse activé. On se remet à droite. Donc à 110 km/h. Ah, j'ai pas de comptoir. J'ai juste un compteur de consommation et ma vitesse. Peut-être que si je passe en sport, j'aurai un compte tour. Voilà, en sport, j'ai un compte tour. Je suis en dessous des 2500 tours à 110 km/h. En sixième. Oh, c'est pareil, c'est plutôt conforme. Sans qu'on ait une suspension qui se voit quand même un petit peu ferme. C'est sûrement l'option qu'on a. Oui, parce que je suis passé en sport. Je vais repasser en mode éco, qui me donne mes consommations moyennes au final plutôt que d'avoir un compte tour, puisque EcoPro justement c'est peut-être pour des gens qui veulent suivre un petit peu plus en détail leur consommation. À 110 en tout cas c'est vraiment agréable. On va essayer de se mettre un petit bout à 130. Donc de 110 à 130 en
en 6e, ça relance gentiment, donc il va falloir anticiper un petit peu. Et à 130, donc si je repasse en mode sport, je suis à 2800 tours environ. Et ça reste vraiment bien sonorisé. On sent que même si c'est l'entrée de gamme de chez BM, ça reste quand même une voiture qui se voit un minimum premium. Et c'est plutôt agréable. Bon alors, depuis tout à l'heure, je fais du 90-110, là je me suis mis sur l'autoroute, oulala. En fait, c'est tellement confort qu'on ne voit pas la vitesse à laquelle on roule. Là, j'étais un petit peu au-dessus. Je vais me remettre à 130. À 130, là, sur du régime stabilisé, je fais aux alentours des 5 litres au 100. Là, j'ai une moyenne à 4 litres 6. Depuis tout à l'heure, je me dirige vers Fontainebleau. Bah, c'est pas mal, 4 litres 6 de moyenne, avec une grosse partie entre 90 et 110. Ça roule pas trop mal aujourd'hui. Bon, il pleut, hein, ce beau mois d'août. Région parisienne, mais franchement agréable. Et même à 130, là où je roule depuis tout à l'heure un petit peu plus à 130, les bruits de vent sont plutôt bien contenus. Bon, là il pleut, donc forcément il y a un petit peu plus de bruit, mais même les bruits de roulement et tout, ça en fait une voiture agréable. Je me dirige vers des petites routes pour voir un petit peu ce que ça donne sur des routes de campagne, sur du sinueux et du bosselet, et on va voir également le comportement dynamique et tester le mode sport, les accélérations et autres. Après, attention, aujourd'hui c'est un petit peu mouillé, donc forcément on n'a pas les mêmes conditions que si c'était vraiment sec. Alors, j'arrive sur des petites routes ici, routes de campagne très dégradées, voir ce que ça donne niveau suspension. Donc là, hop, je fais exprès de passer dans les trous. On sent quand même une certaine fermeté du châssis. Pareil, la voiture, ça a l'air même bien ferme, ça a l'air sympa. Donc ça va faire un côté un petit peu plus dynamique. J'ai hâte de tester ça sur des routes un petit peu plus techniques. On va laisser passer le petit van, je ne suis pas pressé moi. Merci monsieur. Allez, on va relancer donc tranquillement. Je suis toujours en mode éco pro. Moyenne à 4,7 litres là sur combien de kilomètres j'ai fait? Sur 70 km. Ce qui est pas mal. On va faire un peu plus de 100 km, comme ça je vais vous redonner à la fin les consos. Comme je vous dis, la boîte est toujours plutôt agréable. On a un châssis, même en mode éco, qui se veut même bien dynamique. Dis donc, c'est que ça tient bien. Ça se veut quand même bien BM. Hein. Ça, j'avais été agréablement surpris une fois avec un iX3. Je m'attendais pas à ce que ce soit si dynamique. Mais en vrai, la voiture, elle est là. Je te dis, je reste une BM, il y a marqué BM, en plus il y a un petit logo M sur le côté avec ce pack qui était vendu avec celui-ci. Mais on est sur une voiture vraiment entrée de gamme, hein, avec 4-5 options maximum. Et ben ça reste une très bonne auto. Hein. Ça filtre plutôt bien. Alors on sent que c'est plutôt ferme, mais c'est pas du tout inconfortable. Les sièges sont bons. On a les sièges entrée de gamme en tissu. Pas mal, hein. Ici il va y avoir la grosse cuvette. Voyons voir ce que ça donne ici. Ouais, c'est un amortissement ferme, mais c'est une souplesse rigide. Ouais, j'aime bien ça. Je sais plus l'autre fois ce que j'avais trouvé comme mot, mais souplesse rigide me va bien. Allez, on arrive sur cette petite route où il n'y a absolument personne. Tester un petit 0 à 100, voir ce que ça donne. Première, je suis repassé en mode sport et let's go. Allez. Ça y va, 60, 70, 80, 93, 100. C'est plutôt pas mal. Et sur les gros freinages, un 100 à 0. Ouh, même sous la pluie, ça tient plutôt bien. Et ça relance franchement correctement. Là. Je l'ai déjà à 70, 85, 94. Ouh, et 100, il se fait même en fond de 2. Pas mal. D'ailleurs, j'ai passé la 3. Je voulais pas pousser jusqu'à tout en haut, mais en fond de 2, on arrive à 100. Ça marche plutôt bien. Allez, je repasse ici en mode sport. On arrive sur ma petite route préférée sinueuse et on va voir ce que ça donne. Côté dynamisme, alors c'est trempé hein, comme vous pouvez le voir, bah, ça tient plutôt pas mal. Le châssis, on sent un petit peu des défauts là. Bah,
pour du mouillé, ça tient quand même vraiment bien, ça s'ouvre un poil. Alors c'est normal, hein, comme vous pouvez le voir, en plus là il y a des épines de sapin. Bah, ça tient plutôt bien, le freinage reste bien, il est très progressif, c'est sécurisant, et même à bon rythme. C'est là où aussi les pneus sont vraiment la liaison avec le sol. Et pour moi, s'il y a une seule chose sur laquelle on ne doit pas négliger sur une voiture, c'est vraiment les pneus. Ouh, j'ai mon casque qui est en train de se balader dans le coffre, mais on est vraiment sur un bon châssis, même sur les freinages, ça tient bien, c'est sécurisant. Juste un poil de sous-virage quand on arrive fort et qu'on accélère un petit peu, mais sinon, bah c'est vraiment pas mal. Hein. Très bonne auto, franchement, pour une entrée de gamme, je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien. Dans l'autre sens, donc là j'étais en 3 à la cool, on peut se le refaire en 2 en poussant un petit peu plus, mais bon, le but, ça va pas être non plus d'arriver trop fort. Hop, on se met à 2 et sur les réaccélérations, 109 chevaux, on va dire que c'est suffisant. Hein. Et bien sûr, on fait très attention aujourd'hui, comme c'est très mouillé. Mais franchement, ça réaccélère bien. Hein. Et on n'a pas l'impression, comme la voiture est hyper confort, on n'a pas l'impression d'aller vite. En vrai, on va quand même très vite là. On s'en rend pas compte. Après, c'est mouillé. Ouh là, il y a des arbres qui sont tombés carrément. Il y a eu beaucoup de vent. J'ai l'impression que la météo, c'est pas ça en ce moment. Hein. Juillet-août là, à Paris. J'espère que vous êtes parti si vous habitez en région parisienne. En tout cas, très bon châssis. J'avais jamais fait cette route sous la pluie. Et ben, ouais, ça tient vraiment bien. Il faut quand même y aller fort avant de l'emmener. Et bonne surprise. Franchement, agréablement surpris. Bon, j'en suis à 100 km réalisés pile poil. 5,4 de moyenne en ayant compris les tests d'accélération, etc. Ce qui reste vraiment correct. J'étais à 4,7 tout à l'heure. On peut dire que voilà, vous tournerez, si vous roulez à la cool, aux alentours des 5 litres dans des conditions mixtes, ce qui est plutôt pas mal. Avec une éco-conduite, on peut descendre assez bas. L'essence, donc samedi, 769 km. Donc ça a augmenté depuis tout à l'heure. Quand je suis parti, ça me donnait 700 et j'ai déjà fait 100. Donc on va dire que là, en gros, on ferait quasiment jusqu'à 900 km en roulant à la cool, en mode éco, et sur des routes plutôt roulantes. Donc à la campagne, on peut se faire de bons petits résultats, ce qui peut être pas mal. Je pense que juste sur des routes de campagne, avec du 70-80, je pense que je pourrais atteindre les 1000 km, à mon avis, puisque je suis quelqu'un qui roule plutôt cool. C'est pas mal. Moi, j'aime bien ces petits moteurs, justement, pour ce côté du quotidien. J'adore faire des voitures très puissantes. Mais pour le quotidien, je pense qu'on a tous besoin d'une petite voiture à la cool qui ne consomme pas trop. Pas forcément toute option ou quoi que ce soit, mais ça peut être bien d'avoir au moins le régulateur adaptatif. C'est la petite option que j'aurais prise. Après, tout dépend où vous habitez, mais moi, en région parisienne, un petit régulateur adaptatif et une boîte auto, ça aurait pu être le top. Mais, bon, pourquoi pas la manuelle, hein. Moi, ma voiture perso, c'est une manuelle. Et j'arrive à consommer très peu, quasiment 3,5 litres au 100. Allez, on se fait un petit débrief. Bon alors, cette série 1, entrée de gamme, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça reste une BM, ça reste premium, ça reste le comportement dynamique d'une BMW, c'est un bon châssis, ça marche bien, ça freine bien, c'est bien équilibré. Bah, en fait, tout est bien, et pour l'entrée de gamme, bah, je trouve que c'est pas mal. Moi, du moment que j'ai mon CarPlay, un régulateur, c'est le minimum. Si j'avais eu le régulateur adaptatif, ça aurait pu être un plus. Mais clairement, pour la voiture entrée de gamme de chez BM, bah, c'est vraiment pas mal. Malgré le fait que ce soit une entrée de gamme, ça reste quand même aux alentours des 33-34 000 euros, ce qui n'est pas donné. Mais de nos jours, les véhicules augmentent tous de plus en plus. Mais on a quand même une voiture qui reste une BMW qui garde bien la cote. Je pense qu'au niveau des loyers, ça doit être assez intéressant. Et boîte manuelle, pourquoi pas, on y revient de temps en temps. Mais j'ai trouvé agréable. Et au niveau des consommations, eh bien, tourner aux alentours des 5 litres, je trouve ça plutôt correct pour une voiture comme ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu le fait de faire une voiture un petit peu plus entrée de gamme avec moins d'options et autres, même si ça reste quand même une voiture un minimum premium. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a d'autres véhicules que vous voulez que j'essaye, que ce soit en haut de gamme ou en entrée de gamme. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude. Et puis je vous invite à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000 sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bonnes vacances à tous si vous êtes en vacances. Ciao.